Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertirance pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu. Un jeu qui vient de sortir comme d'habitude, qui est sorti le 9 novembre 2023, qui s'appelle Iconic Island and Earthlock Adventure. C'est un Stardew Valley-like, voilà, il va falloir explorer l'île d'Iconey et explorer ce petit monde et puis récupérer des ressources comme d'habitude. Voilà, on va farmer, il y a du farming. On va pouvoir construire une petite maisonnée, ce lieu d'amitié avec des créatures, avec des mobs, avec des trucs, avec des machins, avec les habitants de l'île. Et puis on peut aussi jouer en coop jusqu'à 4, il me semble, voilà. C'est développé par Snowcastle Games, qui sont, je crois, basés à Oslo. Donc en comment on appelle ça, en Norvège, voilà, tout simplement. Et édité par plusieurs boîtes, hein, Jetpack Collective notamment. On s'en branle, même, et puis ça coûte 25 balles. Et un prix moyen. Ça a l'air sympathique, coloré et mignon. Et contrairement à d'autres Stardew Valley-like, ça a l'air d'être assez humoristique. Hein. C'est ce que disaient les commentaires, et là, dans la narration, on sent que c'est plutôt vrai. C'est une grenouille, le mec, parce qu'il fait que des jeux de mots avec le champ lexical de la grenouille. On peut pas accélérer? Allez, on passe. Désolé pour l'histoire, mais on veut du gameplay. Vous regarderez ça chez vous. Oh putain, on est avec... D'accord, oh, je peux échanger. C'est quoi? C'est une sorte de requin marteau, ça, non? Ah oh, ouais, j'aime bien, moi, une meuf, non merci. Et c'est quoi ça? C'est Gimli? C'est Gimli en chat? Non, on va plutôt prendre le requin marteau. Explorer l'île, explorons l'île. Oh putain, oh ça lag. Ok, grenouille. Ah, oh, je mets des grenouilles dans mon slip. Ok, des feuilles. Je mets des feuilles dans mon slip. Quoi, encore des étrangers? Mais comment ça, Ariel doit être mise au courant? Putain, c'est Zemmour. Non, mais sérieusement, c'était pas le genre d'île sur lequel on vient s'échouer même après un naufrage. Non, je ne suis pas une grenouille qui parle. Ne dites pas n'importe quoi. Je suis une statue qui parle à travers une grenouille. C'est beaucoup plus logique. Pour ramasser une grenouille ou quoi que ce soit, approchez-vous d'elle et appuyez sur A. Très bien. Je dois ramasser des grenouilles. Écoutez... je l'ai déjà fait. Voilà, bienvenue, paradis des criques. Cette plage est connue sous le nom. Laissez-moi l'indiquer sur votre carte. Pour ouvrir votre carte, appuyez sur Select. Oh, d'accord, ok. On a la map, on a l'inventaire. Oh, c'est mignonnet. On a les quêtes, les trophées, les commandes didacticielles et les paramètres tout à fait sexuels et communistes. Jacob est un octi. Il a grandi dans un orphelinat auprès de ses amis. Ah, bah, c'est intéressant. En cas d'hésitation quant à la route à suivre, rendez-vous à la croisée des chemins. Ok, t'as d'autres choses à me dire? L'époque où cette île était un jardin parfait remonte à bien longtemps. À présent, c'est la merde. Ok, merci. T'as des quêtes, toi? Vous avez oublié comment ramasser? Ok, bah écoute, on va ramasser des grenouilles. Putain, on ramasse tout, nous sommes un déchet. C'est bien par là qu'il faut aller? J'espère. Il y a un cochon. Il y a quoi d'autre? Paradis des criques, très bien. Vas-y. On peut l'enculer! Ok, non, peut-être pas. Oh, c'est quoi ça? Il a l'air d'avoir des tas de choses. Chope la grenouille, voilà. Trophée, ramasser 10 objets. Explorer l'île, trouver la croisée des chemins, trouver un autre moyen de traverser la rivière. Vous pouvez pouvoir déplacer cet horrible tas de métal, il me gâche la vue depuis une éternité. Vous pouvez ramasser des objets à une courte distance avec la touche Y. Très bien. Je peux jeter une grenouille. Ouais, non, c'est pas. Faut que je trouve un autre moyen. Cassez-vous! Ok. Bonjour à tous, on ramasse des grenouilles, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi pas. Oh, il y a un fleuve. Ah oui, je l'ai sous le bras la grenouille, oh, c'est très mignonnet. C'est très sympathique. Ah ouais, ok, on va faire le tour. Prends la grenouille. Voilà, toujours avoir des grenouilles dans son slip, dans son inventaire, ça marche toujours. Écoute, je continue à explorer l'île. Trouver la croisée des chemins, trouver un autre moyen de traverser la rivière. Ça va être fait. Voilà. On traverse la rivière, c'est magnifique. Explorer l'île, on continue. Je cours avec ma grenouille sous le bras, comme si c'était ma meuf. Non pas que je cours avec ma meuf sous le bras, mais quand même. Hop, voilà, on est là. Oh, vous avez découvert la croisée des chemins.
Ça m'a l'air très mystérieux tout ça. What do you know? My tadpoles made it off the beach and all the way to this weirdy glowy light. Cet étrange spectre lumineux. It's a shiny magic ghost. Un fantôme magique. Okay, if you want to get technical. Mais c'est de la magie. Strangers, what with such kind faces? Bon, elle nous accueille. Sympa. Sympa. Bon, je vous laisse écouter un petit peu. Moi, je vais moucher, tiens. Creatures, plants, all living things once flourished here in harmony beneath the warmth of Lys, the blessed sun. Ouais, en gros, c'est la merde, quoi. Un terrible cataclysme. Attention, mince, j'appuie sur le bouton. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai passé la cinématique. Ok. Le premier hôtel, nouvelle quête, d'accord. Hôtel 4 étoiles, mettre une grenouille. Voyageur, bienvenue à la croisée des chemins. Cet endroit porte bien son nom, car il y a un mi-chemin entre toutes les différentes régions de l'île. Je vais l'indiquer sur votre carte. Ah, ok. Croisée des chemins, plateau enchanté, cascade, pâturage azur, mabite, prairie fleurie, canyon. Ah oui, il y a plein de... D'accord, tout ça, c'est l'île de Greney, grenouillère, forêt aux nœuds, dunes de sable. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. T'as autre chose à me dire? Les matériaux, les ornements et ta grand-mère. Ok, plein de choses à récupérer. Un pauvre malchanceux a perdu son épée. Ce qui compte, c'est que vous pouvez utiliser pour vous défendre. Porter un coup d'épée en appuyant sur X. Ok. C'est ça une épée? Non, c'est pas une épée ça. Attends, ta feuille, c'est une épée. Ok. Ouh, vas-y, donne-lui des... Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a récupéré des tas de bonnes choses. Ah, il me dit qu'il y a manifestement... T'as vu, j'ai réussi. Un petit conseil, apportez toujours une arme avec vous. Ouais, ok, moi je voulais des récompenses, je voulais une part de cassoulet, mais manifestement, rien du tout. Il a l'air d'avoir une durabilité. Mais tu peux pas le taper, ok. Il a l'air d'avoir une durabilité pour les arbres, les objets, toutes ces conneries-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le fantôme. Ceci est un hôtel. Vous voyez la statue derrière avec le 10 dans les bras, c'est une idole de construction. Elle s'occupera de toutes vos tâches pénibles. Déposez simplement les matériaux demandés dessus. Ok. Donc il faut de la pierre, des branches, des herbes longues. Ok. Bah écoutez, on va essayer de récupérer ça. Hein. Tu vas me dire que là j'ai pas... Oh là, là j'ai pas récupéré de la... Pierre, 6 branches, herbes longues, amri. Voilà, on a réparé un hôtel, ok. C'est pas mal, c'est scénarisé, entre guillemets, au début. On arrive sur une île, c'est le bordel, et il faut un peu, j'ai l'impression, tout reconstruire. Merci, grâce à vous, mon jardin baigne à nouveau dans la lumière de Lys. Tout ce travail a dû vous ouvrir l'appétit, plantons des graines. Mais j'ai oublié mon jardin, mes outils, un énorme brochet est tombé du ciel un jour. Un an coroner pourrait le détruire, vous devriez vous lier d'amitié avec l'un d'eux. Essayez de lui donner un peu d'herbe. Ah, c'est là où on va se lier d'amitié avec des choses de la vie. Tiens, bonhomme. Allez, encore une. Et voilà. Et là, c'est quoi? Il est méga pote. Il va me suivre. Donner un ordre. Ah, et là, il va défoncer cette merde. Oh, c'est sympa. Vas-y, donne un ordre. Oh, parfait. Et là, comme ça, on récupère des matériaux. Ah, sympa. Bon garçon. Vas-y, bon chien. Vas-y, bourre-le, bourre l'amour. Ah, il est mignon, il est très mignon. Ok. Ça, il faut quoi? Branche, pierre. Tu peux pas défoncer ça? Non, je crois qu'on peut pas tout donner. Branche, ok. Des pierres, ok. Des fruits donuts. Et des branches, des pierres, des fruits donuts. Ah, il me suit la lampe à fée. Ok, vas-y, défonce ça. Parfait. Continue de défoncer ça. Parfait. Vas-y, bonhomme. Parfait, on récupère des tas de bonnes choses. C'est sympa. Ok, récupère ça. Vas-y. Casse. Encore. Ouais, c'est cool. Ok, j'aime bien l'idée. Hôtel requis. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, la grenouille? Souhaitez-vous en savoir plus sur le passé, voyageur? Dans des temps ancestraux, Sefté a formé le sommet d'une montagne. Ok, passionnant. Je dois aller où, là? Je dois aller... récompense, branche, ok, croiser des chemins. Écoute, on va se balader tout simplement. Oh, encore un tas. C'est marrant de pouvoir adopter comme ça des bêtes. Des bêtes, tout simplement. Bon, j'ai récupéré des cailloux, ça c'est très très bien. Détruire les rochers, parler à Sariel. Ok, oh, j'ai récupéré des choses.
Qu'est-ce que c'est? Des pierres, des trucs. Vas-y, détruis ça. Oh, mais tu peux les détruire, les gros. Ah, très bien, très bien. Et moi, ça me fait des gros rochers. Il me faut des rochers. J'aime les rochers. C'est délicieux, les rochers. Les rochers, c'est formidable. Ok, ouvrez la carte pour jeter un coup d'œil. Ouais, ouais, bah c'est intéressant. Vas-y, suis-moi, là, on dirait qu'il est en train de lâcher des bons gros pets. Et Dieu sait qu'on aime péter. Est-ce que je peux te donner des branches et des cailloux? Voilà, il reste branches et fruits donut. Ce qui sonne, ma foi, plutôt bien. On va pas se le cacher. Sariel, ah, je peux faire un voyage rapide nulle part ailleurs. Ok. Faut que je parle à Sariel. Alors, Sariel, c'est sans doute l'esprit. Branche, frapper, poser. Ok. Bah écoutez, on va revenir, on va se balader. Y a quoi par là? Je suis pas sûr que je puisse. Je peux y aller ou je peux pas y aller? Ah, je suis pas convaincu qu'il faille passer par là. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il faut plutôt que je continue d'explorer la croisée des chemins. Il est où le. Toi, t'as rien à me dire, hôtel requis, pour jeter un coup d'œil. Ouais, j'ai bien compris qu'il fallait des fruits donuts, mais. Des fruits donuts, j'ai peau. Tiens, casse ça, mon garçon. Vas-y, casse ça. Voilà, bon toutou. Vas-y. Merde. Vas-y, bon toutou. Ah oui, on voit la tête, on voit qu'il faut un encorneur. Enfin. Ok, et ça. Peut-être tu peux le défoncer aussi. Vas-y, continue, ça fait des gros cailloux. Ok, c'est formidable. Et ça, on peut pas passer. Ok. Est-ce que je peux récupérer d'autres choses? Oh! J'aimerais bien, moi, des fruits. Tu vois, ramasser sans objet. Ah ouais, ça va vite. Hôtel requis. Est-ce que tu vas me donner des fruits? Non, peut-être pas. Maintenant que l'hôtel est réparé, le cycle nuageux commence. Le ciel sera bleu un certain temps, puis noir de nouveau. Le ciel restera nuageux le temps que vous vous reposiez dans un bon lit. Ok, Michel. C'est mignon tout ça. Oh, elle est là. Bienvenue, mes amis, dans ce qui était jadis mon jardin. Il est à vous désormais. Inokai déborde de pouvoir de l'amri. Une fois les graines plantées, vos cultures pousseront rapidement. Il y a un coffre rempli de vieux outils dans le jardin. Il devrait encore être en état de fonctionner. Je crois qu'il contient même quelques graines. Ok, ma vieille. Ok, mama. Les quêtes du jardin, des gens du jardin. Tiens, détruis ça, mon bonhomme, là. Allez, au boulot. Il est en train de creuser ses grands morts, là. Ok, bon, écoutez. Je vais le laisser faire. Il va falloir vite... Ah, le coffre. Oh non, je m'excuse, dans notre émission, vous bloque complètement la route. Ouvrez le menu, sélectionnez le menu d'artisanat et fabriquez une hachette. Ah, votre inventaire est plein. Allez, encore un coup des zadistes communistes. Tiens, ça, on va le jeter, tout simplement. Voilà. Et là, on va fabriquer une hachette. On a fait une hachette, comme la maison d'édition. Et on va pouvoir défoncer ça. Voilà, j'adore qu'on... Je veux plus rien reconnaître, j'adore tout défoncer, j'adore qu'on me défonce la rondelle. Voilà, ça fait plaisir. Ok, très bien, on a des trophées de plein de choses, c'est marrant, c'est pas mal. Graines d'arbre, donuts, oh les donuts. Ok, de la terre, ça dégage, de la terre, ça dégage. Et on va récupérer une binette. Ok. Une binette, c'est formidable, les binettes. Une recette de binettes à la place de feuilles. Un arrosoir à la place de pierres taillées, là, de pierres crosses. Un sac de pollen à la place des herbes. Et des graines d'arbre donut. Les donuts qu'on va foutre ici. Ok, magnifique. Ouais, tais-toi, toi. Ok. Vas-y, là, on va travailler. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est Stardew Valley Like, écoutez, mais j'aime plutôt bien l'idée. Là, c'est un peu original dès le début. C'est assez sympathique, assez cocasse, quoi. T'as d'autres choses à me dire, ma bonne dame? Bon, le jardin vous attend. Commencez par labourer la terre avec la binette. Bah vas-y, binette. Bine. Merde. Comment tu bines, ma vieille? Comment que je bine? Ah, ça, c'est la recette, je crois. Ouais, ok. Binette. Ouais. Fous la binette là. Ok, c'est bon, ça va être un peu mieux. Labourer. On laboure. On laboure la terre. On bourre la reine là, comme le village, ça fait plaisir. Voilà.
Et ensuite, une fois que j'ai bien tout labouré, ce n'y a plus qu'à planter vos graines. Ah, maman, maman, ok, piétiner, c'est quoi ça? Ah merde, ah c'est pour remettre bien, d'accord. Donc là, on va semer. Ok, on sème, on sème, on sème, on en fout partout. On laboure. Ouais, c'est sympa, là, ce petit début, là, il est plutôt pas mal du tout. J'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce que j'entends, j'aime bien ce que je sens. Hop, sème des choses, sème des choses. Sème... Oh non, le chien. Qu'est-ce qu'il veut, le garçon? Ah, il voulait que je le caresse. Ah oui, d'accord, pour devenir un méga, méga pote. Ok, ça veut dire quoi, fusionner? Ok, je ne sais pas. Nouvelle recette, l'arrosoir. Ah, l'arroseur arrosé, l'arrosoir arrosé. Ok, on va se mettre là. L'arrosoir, et on va arroser, comme si c'était la dernière des... Hop, voilà. Ah oui, on arrose en quantité non négligeable. Ok, pas mal. Ensuite, il n'y a plus qu'à planter les graines. Magnifique. Et qu'est-ce que vous me dites d'autre? Non, c'est bon. Alors, il veut vraiment que je plante tout. Eh bien, écoute, on va tout planter. Voilà. Et on va tout arroser aussi. Hein. C'est ça l'histoire de la vie. L'histoire de la vie, c'est de planter, d'arroser, de récolter, de faire des choses, de faire les enfants, de faire, de prendre du plaisir. Le plaisir, c'est important. Ok, on va semer ça. Et on va arroser. Voilà, là, j'ai tout arrosé. Vous me dites quoi d'autre? Parlez à Sariel. Même avec les pouvoirs de l'Amri, vos plantes auront besoin d'eau. À la fin de cette course lunaire, quand les lumières de l'aurore illumineront le ciel, cherchez les grosses fleurs colorées. Utilisez votre sac à pollen pour polliniser les fleurs et faire pousser des fruits. D'ici là, reposez-vous. Vous trouverez des sacs de couchage à côté du feu de camp. Très bien. Très bien, madame. Des sacs de couchage à côté du feu de camp. Oh, il y a une plante là. Déraciné, votre inventaire est plein. Merde, merde. Ok, on va jeter une pomme de pierre. Oh, c'est mignon ça. Tiens, ça dégage, voilà. On va ramasser cette fleur. Tu veux bien te casser, espèce de... Voilà, on déracine. Et on obtient... Ah, des pétales, des pétaux. Oh, une grenouille. J'aime la grenouille. Vas-y, détruis ça, nickel. Détruis ça. Ok, parfait. On continue d'explorer l'île. Jusqu'au feu de camp. Oh, oh, je peux adopter ce truc. Vas-y, viens, viens, viens. Viens, 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 je t'arrose. Ok, par contre, toi, là, je peux te renvoyer. Je vais te renvoyer parce que t'es nul à chier. T'es adorable, mais t'es nul à chier. Tiens, je te nourris. Alors, t'es mon méga pote maintenant? Hop, c'est Bibi. Là, je suis en train de lui caresser la nouille. Ok. Bon, il a l'air d'aller bien. Je sais pas à quoi il sert. Ah, il va pouvoir peut-être polliniser des trucs, non? Oh, une grenouille. Salutations, voyageurs. Restaurez vos sens ici, dans les prairies fleuries. Prenez un moment pour remplir vos poumons de ce doux parfum. Je vais mettre à jour votre carte. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci, la grenouille. Par contre, ça me dit pas où est le feu de camp. C'est pas... Ça manque de clarté, si je puis me permettre. Ok, il y a l'air d'avoir des bonnes choses. Tiens, tu peux pas... Non, tu peux pas... Bon, écoute, il y a cette chose qui me suit. C'est sympa, cette histoire de grenouille. Sélectionnez le jeu dans 30 heures pour consulter sa description. C'est bien pratique si vous voulez savoir comment utiliser un outil ou fabriquer une ressource. Ouais, c'est des tutos, quoi. Oh, putain. Ah ouais, il faut des bras de robot, des trucs... Ouvrez la carte pour jeter un coup d'œil. Idole de construction. D'accord, d'accord, d'accord. Je commence un peu à comprendre. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est sympa, c'est sympa. Ça donne envie un petit peu d'en savoir plus. Et ça, c'est là où j'étais. Montre-moi la carte. Ouais, ouais, bah écoute, on va continuer d'explorer. Je sais pas à quoi vous servez, vous, sincèrement. Ah, le bois. Le bois, là, je peux pas passer. Est-ce que ma hache suffit? Je sais pas. Ah non, il me faut un mob spécial. Et je peux alterner entre les mobs, entre les créatures. Ok, c'est sympa. Et là, il y a quoi? Épouvantail Varluc. Ok, bah, pourquoi pas. Ça me dit pas, ça me dit clairement pas où est mon feu de camp. Après, peut-être que je dois le... Ah non, non, je peux pas le crafter. Vas-y, monte voir la map. Ah, c'est tout en bas. Mais alors, en bas où? Telle est la question. Ah, ça, il me dit qu'il... Ah ouais, non, mais ça, c'est pour récupérer des herbes, je m'en fous. Ça doit être en bas, ici, d'ailleurs. Ah, ça a l'air d'être ça, là. Grenouille. Voilà.
Ici, immortalisé dans la pierre, se trouve le meilleur ami des fleurs, le Bibi. Je précise que la statue n'est pas grandeur nature, ce sera tout bonnement terrifiant. Les Bibi parcourent l'île et attirent d'elle à la recherche de jus, tout en propageant la vie sous forme de pollen. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. D'accord, ça se met à jour. Ah, c'est sympa, ça. Hôtel Rocky. Ok. Les Bibi. Ouais, pour l'instant, les Bibi, ils servent pas à grand-chose. Je vais continuer d'explorer l'île, vous savez quoi. Je vais essayer d'aller choper le dernier point. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. C'est mignon, c'est coloré. C'est typiquement, faudrait que ça soit un jeu Switch, ça. Ça serait sympathique. La croisée des chemins. Ah, mais là, je suis revenu, là, non? Je suis revenu dans l'autre. Ouais, bon, écoutez, pourquoi pas. Elle me disait quelque chose ou pas, Sarouel, là, ou je sais plus comment elle s'appelait. Elle était où, d'ailleurs? Par contre, ça manque d'indications, hein. Même avec le pouvoir, vos plantes auront besoin d'eau. Ouais, alors ça, je veux bien le croire, mais... Mais ton lit de camp, il est où? Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Vous deux, ça, ne sont pas prêts d'oublier. Ouais, je vais planter... Ah, est-ce que tu vas pouvoir... Eh non, tu peux pas ensemencer tout ça, toi. Ici, clairement, je peux pas passer... Ah, il était là, le... Ok, bon, bah... Il était là. Je peux interagir? Oui, je peux interagir et je peux dormir. Ok. Bon, écoutez, je ferai pas d'ellipse parce qu'on a quand même fait des choses. Mais je ferai peut-être une petite accélération. Parce que le feu de camp était juste à côté. Le lit était juste à côté. Ok, et comme chaque jour, on voit ce qu'on a récupéré. Ok, très bien. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Pour tous ceux qui sont fans des jeux de ferme, des Stardew Valley Like, clairement, faites-vous plaisir, hein, prenez du plaisir. Oh, ça a poussé! Ok, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Ok, la même chose. Et là, je peux... Ah non. Je peux récolter... Votre inventaire est plein. Bah ouais. Attends, je vais un peu me vider allègrement dans un coffre. Très sincèrement. Tout déplacer. Ok. Arrosoir, lame, branche, tout déplacer. Pierre taillée, gemme d'eau, diamant, truc, gemme de machin, chose, bidule. Ok. Tomates! Oh, c'est bon, les tomates! On va récupérer ça et ça. On va foutre... Émeraude. Ah ouais, d'accord, on obtient des choses relativement rares quand même. Et là, on va obtenir un fruit du... C'est quoi ça? Ah mais non, c'est une cosse des graines à la con. Ok. Non, moi, je veux des fleurs de lotus, là. Ah, est-ce que ça a poussé? Je sais pas si ça a poussé entièrement. Déraciné. Ah non, mais ça, on s'en fiche. Ça, c'est quoi? Vous permet de fabriquer des graines d'arbres de notes, de petits pois. Ok. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Je sais pas si ça a poussé jusqu'au bout. Récolter 10 fruits. Ouais, si, je pense. Ok, bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Et elle me dit quoi d'autre? Ouais, après, elle me dit juste d'explorer l'île, hein, tout simplement. Hein. Ah, est-ce que j'ai... Ouais, c'est ça, là, il faudrait fruits de notes branche. Là, revenez quand vous aurez réparé suffisamment d'hôtels. Ok. Là... Pareil, d'accord, et on va pouvoir continuer un petit peu l'exploration. Bon, bah écoutez, on va pas tarder à s'arrêter, hein. On aura fait un petit tour très rapide, mais diablement efficace du jeu, où là, au début, on est dans une... J'ai l'impression un peu dans une grande zone tuto, où il faut un peu tout réparer. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a les Bibi, eux, on les laisse là. Ici, j'ai rien d'autre à faire pour l'instant. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir rien d'autre à faire à part débloquer... ouais, c'est ça, débloquer les deux herbes longues, on s'en fout. Débloquer les différents... comment dire? Bah, les différents accès, hein, tout simplement. Hop, voilà, regardez. J'ai débloqué une recette et j'ai fait une petite maison sylvestre. Mon devoir qui est très sympathique. Ok, et on peut faire des choses. Ah oui, on peut rajouter par exemple une chambre. On peut rajouter une salle. Rajouter un étage, mais pour ça il faut quand même des recettes, ma foi, assez sympa. Ah, c'est bien, c'est cool, une petite maison sylvestre qui nous servira de base, en tout cas de première base pour explorer l'île. Ça, c'est très sympa. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. En fait, je crois que j'ai mal récolté, c'est pour ça qu'il se passe rien. C'est que j'ai mal récolté la plante. On va invoquer lui. J'ai mal, oh là là, la caméra par contre, j'ai mal récolté la plante. Ou trop tôt, tu vois, quelque chose comme ça, trop tôt, alors que c'était un des objectifs. Je pense qu'il fallait peut-être que j'attende un peu, ou que j'envoie mon bibi dessus, mais vous avez compris le principe, donc je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, je pense que j'ai qu'à explorer l'île, histoire de replanter, de retrouver des fruits du lotus. Est-ce que ça m'en donnerait pas, non? Sauf faut nettoyer, non, là ça me donne... Ah, ils mettent des fois quand même, ok. Je pense que là ça me donne quoi? Je sais pas ce que ça... Ça me donne des branches, ça me donne des feuilles. Ok. Ça, c'est quoi? C'est un rocher?
Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Des fois, c'est un peu chiant, la surbrillance, quand même. Mais ouais, non, c'est plutôt pas mal. On peut pas récupérer ça. Non. On peut pas récupérer. Oh, un arbre. Ah, je peux peut-être. Vas-y, vas-y. Là, tu récupères du bois. Et là, ensuite... Ah, j'ai pété mon truc. Oh non, j'ai pété mon truc. Ok, refais une hache. Votre inventaire est plein. Ah ouais, ouais. L'inventaire, clairement, ça va devenir, comme souvent dans les jeux de ce type, une essence magique des pétales rouges. Ouais, 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 ouais. Pose-le, pose-le. Pose-le. Hop, voilà. Ça va devenir clairement la place dans l'inventaire. C'est toujours un petit peu la difficulté dans ces jeux. Est-ce que je peux récupérer d'autres choses? Est-ce que je peux péter l'arbre? Ah ouais, non, là, il me faut manifestement un autre objet. D'accord, ouais, chaque truc demande un objet. Ça, c'est pareil, je pense. Ça, ça va être défoncé. Là, il faut, et les autres trucs, il faut des hôtels spéciaux. Et ça, ça me permet de récupérer quoi? De l'herbe, ouais, toujours classique, classique, classique. Non, mais écoutez, il va falloir continuer à explorer, planter les bonnes graines et récupérer... Oh, c'était quoi ça? Du fenouil? Ah, j'ai peut-être mal lu. Ah, mais je peux explorer, là. Ou c'est de là où je viens? C'est peut-être de là où je viens, mais j'ai déjà oublié. Hein. Ouais, je crois que ça doit être ça. Bon, bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère... Ah non, je peux passer par là. Ok, j'espère que ça vous aura plu. C'était Iconey Island Nerflock Adventure. C'était un petit... Oh, une grenouille! Ah merde, mais j'ai plus de place! Ok. C'est un petit aperçu du jeu. Tiens, la tomate, ça dégage. Parce que les grenouilles, elles sont quand même très pratiques. J'ai l'impression qu'ils sont fans de grenouilles dans le jeu, les développeurs. Mais ouais, ouais, non, c'est un petit aperçu du jeu qui a l'air d'être, ma foi, tout à fait... Ah, faut que je répare le pont. Eh, d'accord, d'accord. Ouais, pour l'instant, on est assez limité. Ça a l'air d'être quand même relativement linéaire, en tout cas au début. J'espère que ça se débloquera plus tard. Voilà, sur ce, gros bisous à tous, et à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. Salut, salut.